Oui, na mokili bakosa kaka bato ba li moins intelligent que ba metteur en scène. L'information to ali nango dans un premier temps est démontré que et cause la kaka montage. Mais c'est Chilombo, il est vraiment le prototype Kabila. Na mais c'est Chilombo ba li moto moko tout ce que Kabila a fait, Chilombo ça la. C'est trop beau madame Joël Kombe pour être vrai. Comment bato oyo bakoki ko kota te na résidence à Kamere? Gardé par deux policiers ou quatre, mais par réussir qu'au côté de palais de la nation, où ils allaient hautement sécurisés. Ils sont s'attaquer à une cible pendant que la personne concernée n'y est pas. Donc, le palais de la nation est vide, Chilombo n'y est pas, garde réduite, ils avaient pour la sécurité à lier, bah, lâcher prise. Batoubaye ba koti certaines mais vide ba koti ba sali ba selfie malanga tiango na compte public na ils ne sont pas attaqués de 4h30 à 6h ba fonctionnaire motin do wana les montages et que ça les mamé les conséquences sont réelles qu'on est tchatchi et ali a venu à ndako ya Fayulu et ali a venu à l'ambassadeur rebelle et ali a venu à Pullman Grand Hôtel ce sont les intérêts Belge, ils allaient à venir où ils ont logé bah, diplomate et belé. C'est un endroit hautement sécurisé. Alors, comment sont-ils arrivés là? Mais c'est ça le caractère et le montage. Oh, mais c'est Chilombo a sali certainement là-bas tout n'est pour n'avoir visé un cardinal Ambongo. Au coup, bien à la moto, c'est ce qu'a eu l'église. Voilà, tel était impliqué. Bah, pour nous, comment est-ce qu'on a opposant? Parce que pour Bango, ils ont rêvé, ils ont exécuté, ils ont aussi sur la peine de mort. Mais c'est Chilombo s'inspirant de Mobutu et de Kabila. Sous Kabila, il y a eu l'affaire Eric Lenge, non? Rappelez-vous. Bango, tu vas tenter qu'il y ait un RTNC, Bakini, hélicoptère, il y a un hélicoptère. Voilà, Malanga, on a tué, fils capturé, on a arrêté les assaillants. Voilà, Balati, on va désarmer Bango, déshabiller Bango. C'est trop beau pour être vrai. Peu importe les sous moins américains sali, peu importe les crimes un américain sali, bah du genre américain à Mokawaton Souté. Palais de la nation, palais vide, tombeau vide. Mais c'est Chilombo à la cité union africaine. Bon attaquer quand tu as chité. Bon attaquer quand nous fous la thé en la Willeri. Bon attaquer Beach Mobilité. Bon attaquer quand Kokoloté la 24 pour prendre la RTNC. Bon attaquer aéroport et agilité. Vous attaquez l'aéroport Yandoloté, subitement vous comme la paix de la nation. Pour les Kiwabi. Faut pouvoir et puis c'est bien. Oui, des actes contradictoires basés par les autorités de la ville, Artini basé après cette aventure. Premier acte, c'est Gentil Ngobila, le gouverneur de la ville, basé mesure, communiqué officiel. To annuler concert et ambié pour vivre les années de sécurité. Mais Peter Kazadi, ministre intérieur, a lobby non. On ne peut pas annuler le concert Yambi et Pasteur Yambi et Moïse. Bon, qu'il y ait des concerts, que chacun vaque librement ses occupations. Il n'y a rien. Comment le ministre intérieur a dit non, concert et Zali, bon, qu'il y ait des bateaux à quel concert? Bah, lui, il va maîtriser la situation. Gouverneur, s'il vous plaît, la ville est calme. C'est trop bon pour être vrai, ça veut dire que c'est une situation créée par les pouvoirs. Si ce n'était pas un montage, on doit arrêter de dire ouais, ouais, Bombé et aller première zone de défense. Il y a FRDC. Il faut qu'on ait un commandant région militaire. Il faut qu'on ait un commandant force navale, force terrestre. Il faut qu'on ait un chef d'état-major général. Quand le bureau est atteint, même quand le chef n'y est pas, c'est une attaque contre l'institution présidentielle de la République. Les réactions ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Vous dites qu'on a voulu tuer M. Chilombo, on a voulu renverser les institutions, mais les mesures prises, aucune mesure prise, allant dans le sens. Il y a qu'au joie, situation, mesure, il y a gravité. Il a fallu interpeller Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense nationale. Aujourd'hui, M. Chilombo est bloqué. Il ne sait pas sortir le gouvernement. Ça fait 6 mois. Il crée des situations pour détourner l'attention de notre peuple. Oyazon, c'est là. 1. Sécurité est dans le Congo. 2. Payer et revenir. 3. Nzaleleki. 4. Aujourd'hui, c'est. En fait, les dollars, c'est négocié à 30 000 dollars. Au même moment, on a sorti les photos à Cardinal avec Malenga. Ça rime à quoi?
on veut lier Malenga au cardinal Ambongo. Donc, M. Chilombo raconte auto ça na cardinal Ambongo, c'était une distraction publique massive. Nous leur disons, écoutez, messieurs, vous avez tellement échoué. Peuple à Sanzibino, bah, comme une théorie à victimisation. Monsieur, vous nous tuez tous les jours dans ce pays. Vous voulez changer les constitutions. Maintenant, vous voulez distraire le peuple avec le faux coup d'État, alors que l'enjeu, c'est le changement de la constitution. L'enjeu, c'est la balkanisation du pays. Mais c'est Chilombo doit partir. Et ça, la vraie coup d'État. Et ça, la faux coup d'État. Pour nous, Chilombo, c'est le problème. Ah, bonjour, président Nico Maïngéli. Bonjour, madame Joël Combe. Bonne santé, Nico Lebele. Santé, tout le monde m'a cassé. Oui, tout enlèvement en gai, la salle est cachée à sa ma belle, la simanda ou à mes chilombo, na kachachi, bateau baebi, baebi, cachot babinga ka TDGR, oui, qui a salaire pour nan Nicolo Mamindi, après on a un legna DGM, après Kobimana, il y a une lac na clinique universitaire, batala y a une zoto, zoto la y ma be, barin est touché, la y touché, parfois elle a y touché, les gros intestins, l'estomac, bref, il y a eu des déchets toxiques. Na bundani na mo ça fait 8 mois, Dieu a fait grâce, je suis en vie, mais la santé n'est toujours pas au point. Voilà. Mon nom est Nico Maïngé Lelo, comme Mbiso Pembe Nayo, Ezali Maïmalekani Lelo, 19 mai 2024, Toulal Toulamouki, Toye qui était palais de la nation, Ezala qui attaqué Lelo après. Enquête, Bazali Kotel, ça a été Zali Bongo, moi l'amboka Christian, Ope Balobi était à Tiki Bisso. Alors, Meka Kolimbole la Mouke, Banamboko Bazali Kolanda Bisso, est-ce que Maïo Malekani Mokolomalelo, Toko Loba était Zala qui coup d'état raté? Donc, par rapport d'abord à sort, il y a Christian Malanga, on a pour revenir, on est venu avec beaucoup plus de détails. Toi, analyser non, bah fait. Oui, bien, on a Moukili, Bako Saraka, Kabato, Bali moins intelligent. Qui est bah, metteur en scène.
topé bato bazo estimer que bangonde ba plus intelligent que les autres alors que bazana ba insuffisance topé ba limite na ba mise en scène to ba montage ou ba sali pour na biso ba premier élément oyo to za na ma perception en tant que Congo normal avec les amis au to benga ba congolais normaux au bazé éparpillé à travers le monde, même dans les institutions, dans la société civile, dans les organes de sécurité en Boka, l'information qui est en haut dans un premier temps est démontrée que c'est un caca montage. Ça ne peut, peut être qu'un montage de mauvais goût. Donc, M. Chilombo, il est vraiment le prototype Kabila. Là, M. Chilombo a dit motomoko. Tout ce que Kabila a fait, Chilombo a dit ça. Bah, détournement, pareil. Faux coup d'État aujourd'hui, pareil. Guerre politique avec les Rwanda, pareil. Mais tout le bien, nous avons un coup d'État ou avec un coup d'État. Et puis, bah, communiquer suffisamment. On a dit communiquer armé, on va maîtriser les saillants. On a dit, puis, M. Peter Kazadi, le blanc, le ministre de l'Intérieur. À l'objet que la situation est sous contrôle, bah, tout va vaquer librement à leurs occupations. Dans l'andi bah fait tel qu'il a présenté bah saillant bah il va attaquer ndako ya Kamere. Ce sont des faits, je vais donner ma lecture, mes commentaires. Bah attaquer ndako ya Kamere, les policiers qui étaient commis dans la garde ya Kamere bah résister, bah oui pour autant d'or Kamere était, mais du moins bah continuer parler de la nation, bah saccager, bah ça dit sabotage, bah ça dit bah selfie, bah matisser drapeau ya Zaïre. Finalement après force de l'ordre, topé bah, FRDC, bah, maîtriser Bango, bah, Kangi Misus, bah, le roi Bilamba, bah, présenter bah, comme bah, bah, se rendre. Et bah, là, qui s'image, moi, Moutala Diwana, comme étant corps et à Christian Malenga, finalement, bah, bah, maîtriser la situation. C'est trop beau, madame Joël Kombe, pour être vrai. Tenez, lecture politique. Comment les assaillants, balati teni à FRDC. Ba opéré sous label ya mouvement Zaïre. Oezali diaspora congolaise basée na Bruxelles. Comment la diaspora était entrée en possession à tenue militaire? Les armes bazui en haut d'où jusqu'où? Comment batou oyo ba koki ko kotate na résidence à Kamere gardé par deux policiers ou quatre? Mais bah réussir Koko t'en a parlé de la nation où ils allaient hautement sécurisé, plus sécurisé que résidence de Kamere. Si vous comprenez ça, c'est pas logique. Quel est cet assaillant? Quel est cet auteur et à coup d'état? Ces poutistes où ils ont s'attaqué à une cible pendant que la personne concernée n'y est pas. Donc, besoin s'attaquer à la palais de la nation un dimanche, mais c'est sur le bazar la capitale. Ok, quel est l'enjeu? Il y a quoi attaquer palais de la nation pendant que tu l'ombo à la cité union africaine, pendant que tu commis la semaine anglaise, les gens travaillent du lundi au vendredi. Donc, bah épiqué palais de la nation est à vide, tu l'ombo n'y est pas. Garde réduite et ça va là pour la sécurité à lié bah lâcher prise bah tout bah et bah côté certains mais vide bah monsieur balati sokoto tenir bah soda na ketch monsieur cela les papa avec des babouches et vous allez nous faire croire que ce sont des assaillants oh bah qui va renverser régime avec les babouches avec les pantoufles bah côté bah ça bah selfie. Malanga tiens on a compte public né, bah c'est faire filmer, bah tiens image, bah matisse drapeau, ils ne sont pas attaqués de 4h30 à 6h. Est-ce que les gens qui veulent renverser le régime, bah fonctionner la motine de Wana? Alors tout bien angonine parce qu'il y a une mort d'homme quand même. Non, ce sont des victimes collatérales. Et puis les montages, et que ça les mamelles, les conséquences sont réelles. Il y a toujours les sacrifiés. Parce que moi, je ne comprends pas. Eux, ils avaient dit ça. Ils avaient dit Yanda pour Martin Fayou. Avaient dit Nini, pardon, Kachachi. Connaît Tchachi. Et Ali avaient dit Yanda pour Fayou. Et Ali avaient dit ambassadeur rebelle. Et Ali avaient dit à Pullman, grand hôtel. Ce sont les intérêts belges.
Ezali a venu au ezo logé ba diplomate ebele. C'est un endroit hautement sécurisé. Palais de la Nation, Bibliothèque Nationale, à côté Primature, Banque Centrale, au sommet de Réon, Pullman, ambassade à Grèce, au Poussani Gelem, donc si vous pouvez, Kamere, Bakinoni, donc ils ont site moko hautement protégé. Alors comment sont-ils arrivés là? Mais c'est ça le caractère et le montage. Oh, mais c'est Chilombo a sali, certainement, là, tout n'a pas visé un cardinal Ambongo. Parce que cardinal Ambongo, a pasteur, l'église, il y a un bâti au monde à photo, na Christian Malanga, na ba évêque Moussoussou, na ba milulu à l'église. Au coup, il y a un bâti à l'église. Voilà, tel était impliqué. Nous avons un opposant. Parce que pour nous, nous avons exécuté la peine de mort. Il y a un salaire tout. Ba impliqué ba innocent. Rappelez-vous, l'époque, il y a pas Mobutu, les pendus de la Pentecôte. Et là, il y a un faux coup d'État. Mobutu monte un faux coup d'État. Mais et ses soldats, avec les quatre pendus à Pentecôte, je ne vous rappelle pas l'histoire. Donc, mais c'est Chilombo s'inspirant de Mobutu et de Kabila. Sous Kabila, il y a eu affaire Eric Lenge, non? Rappelez-vous. Bah, on va tenter qui est au RTNC. Bah, Kimi, hélicoptère, il y a un hélicolo. Bah, comme il y a un boulevard et un triomphal. RTNC, bah, ça y est, bah, comme il y a un boulevard triomphal. Bah, comme il y a un boulevard Lumumba. Bah, Kiti quartier 1. Bah, Koti Sokomaf. Bah, Keinze Laboy. Quelle mise en scène sous Kabila. Et aujourd'hui, on nous présente une autre mise en scène. Voilà, Malanga, voilà, tué. C'est les pouvoirs qui parlent. Nous, on va inquiéter si réellement il est tué. Puis c'est l'image, voilà, que ça en a. On va son fils capturé, ça. Au moins. Son fils capturé. On a arrêté les assaillants. Voilà, Balaxi, on va désarmer Bango. Désaïbier Bango. C'est trop beau pour être vrai. Communiqué à États-Unis. Voici les côtés, ça a été Bazali inquiet. On a présence il y a des Américains et qui va soutenir la République démocratique du Congo la démarche à Koyeba solo et Maïwana. Non, les Américains, peu importe les sous moins américains sali, peu importe les crimes un Américain sali, bah les gens américains n'ont pas beaucoup à te consulter. Donc ça reste à vérifier même communiquer aux États-Unis parce que ici ça peut être un acte isolé d'un Américain et on peut l'emballer dans une histoire sans issue. Et les Américains, peu importe les sous américains, sali, bazouka a toujours récupéré américain. Si j'ai la bango, on va s'ambisaye, on va faire enquête. C'est ça l'Amérique, c'est ça les États-Unis. Il faut voir comment opèrent les Américains. Mais ici, moi je vous fais voir que c'est trop beau pour être vrai. Les choses telles qu'elles se présentent, maman. Comment vous s'attaquez dans le palais de la nation, vous s'attaquez dans RTNCT? Palais de la nation, palais vide, tombeau vide. Mais c'est Chilombo, à la cité union africaine. Bo attaqué quand tu as chité. Bo attaqué quand nous fumons la thé en la huilerie. Parce que c'est quoi le mot quand nous fumons là? Bo attaqué beach mobilité. Bo attaqué quand Kokoloté na 24 pour prendre la RTNC. Bo attaqué aéroport Yandjilité. Bo attaqué aéroport Yandoloté. Subitement, vous comme la palais de la nation, vous les kiwapi. Ce sont les gens au pouvoir à Ebi, Babi Makiwapi. Il faut pouvoir à Ebi, c'est bien. Et dans la mise en scène, Jean-Luc Mélenchon a l'objet de Zazali qui a acquisé déjà Rwanda Pebalien Aé pour nous à la Sima, coup d'état étouffé dans l'œuf ou est Salamaki Lelo. Moi, je ne pense pas que c'est un coup d'état. Ça peut être une mise en scène. Parce que coup d'état, quand même, il y a moins de critérium. On dit Jean-Luc Mélenchon, aussi, quand tu dois y ça. Imagine-toi un peu, madame. Analysons les faits, puisque les faits sociaux sont totaux et globaux. Jean-Luc Mélenchon est à 8000 km de Kinshasa. Moi, je viens de sillonner la ville. Vous avez vu des actes contradictoires basés par les autorités de la ville, actes basés après cette aventure. Qu'est-ce qui se passe, informé? Premier acte, c'est Jean-Tini Ngobila, le gouverneur de la ville. Hôtel de ville. Et à Moussikate. N'est-ce pas, mais ça l'a mis, non? Parce qu'au 4 tableau, au boulevard du 30 juin. Au commun boulevard Tchatchi, Nangambo et Mandela. Alors, ici, hôtel de ville et Lobini, bas une mesure, communiqué officiel, tout annuler concert et en billet pour vivre les années de sécurité.
Zolanda, c'est une mesure qui allait tenir si réellement les faits étaient vrais. Mais Peter Kazadi, ministre intérieur, a dit non, on ne peut pas annuler le concert Yambi et Pasteur Yambi et Moïse. Beaucoup de concerts, que chacun vaque librement ses occupations. Il n'y a rien. Comment la ville peut estimer qu'il y a insécurité? Parce que si les institutions sont menacées, madame, on doit suspendre les concerts, non? Comment le ministre intérieur a dit non, concert et Zali Bokende, bah, toi, quel concert? Barry va maîtriser la situation. Gouverneur, s'il vous plaît, la ville est calme. C'est trop beau pour être élevé, ça veut dire que c'est une situation créée par les pouvoirs. Si, et sa situation, bah, ça y est. De 6h à 12h, 6h du temps, des communiqués contradictoires. Hôtel de ville, on suspend les concerts pour des précautions, pour des, comme, pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Ministre des patrons sécuritaires, on dit non, il n'y a rien. Donc il y a des concerts. Ça veut dire, c'est un montage. Si ce n'était pas un montage, on doit arrêter de dire, ouais, ouais. Pourquoi? Chef MG, chef d'état-major général. Pourquoi? Parce que Gombe est à une première zone de défense. Il y a FRDC. Première zone de défense, c'est FRDC. C'est à la tête. Il faut qu'on ait un commandant zone. Il faut qu'on ait un commandant région militaire. Il faut qu'on ait un commandant force navale, force terrestre. Il faut qu'on ait un chef d'état-major général. Puisque l'institution président de la République et abrite à la Union africaine comme résidence, palais de la nation comme bureau. Les chefs de l'État, entre guillemets, peuvent être soit dans le bureau, soit dans la résidence. Quand le bureau est atteint, même quand le chef n'y est pas, c'est une attaque contre l'institution présidente de la République. Maintenant, attaque, vous les avez, mais les réactions ne suivent pas. Les réactions ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Vous dites qu'on a voulu tuer M. Tshilombo, on a voulu renverser les institutions, mais les mesures prises, aucune mesure prise, alla dans le sens, il y a qu'on voit situation, mesure, il y a gravité. Il a fallu interpeller Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense nationale. Comment les militaires ont opéré dans Gombe? Gombe est la première commune, première zone hautement sécurisée. Toutes les institutions de la République sont à Gombe. Tous les ambassadeurs, les résidences diplomatiques à Gombe. Les affaires, l'économie congolaise, les activités commerciales, c'est à Gombe. Maintenant, Gombe est atteint comme siège des institutions. Maintenant, vous nous dites, non, vaquez librement vos occupations, on a maîtrisé les assaillants. Qui vous a dit que sur le plan à modus operandi, si assaillant il y a, celui qui va attaquer le palais de la nation, il devait y avoir une autre poche de résistance quelque part. Peut-être dans Kanchatch. Peut-être dans Kankokolo pour la RTNC. Peut-être dans Bishingobina pour contrôler les frontières Congo-Brazzaville-Kinshasa. Rien de tel. Au bimon, on peut croire qu'il y a un Congo-Brazzaville, ça va communiquer. Papa, on est à la distraction publique et massive. Aujourd'hui, M. Tshilombo est bloqué. Il ne sait pas sortir le gouvernement, ça fait 6 mois. Il crée des situations pour détourner l'attention de notre peuple. Oyazose là, 1. Sécurité est dans le Congo. 2. Paix et revenir. 3. Nzaleleki. 4. Aujourd'hui, c'est. En fait, les dollars, c'est négocié à 30 000 10 dollars. Donc, pendant qu'on distrait notre peuple, on nous sort un coup d'État. Que nous estimons un faux parce que jusque là aucun officiel n'est arrêté. On va imputer les opposants. N'est-ce pas que Michel Barbani Nico Maengele a contredit la version du gouvernement, on doit l'arrêter. Nico Maengele soutient les assaillants. Non monsieur, vous montez très mal vos choses, vos faits. Aussitôt Babimisi dossier à Christian Malenga, nous avons vu les images. Comment on a arrêté les gens, les sous-fifres, les gens qui n'ont pas la capacité de renverser un gouvernement. Au même moment, on a sorti les photos à Cardinal avec Malenga. Ça rime à quoi? On veut lier Malenga au Cardinal Ambongo.
Donc, M. Chilombo raconte tout ça à Kadel Ambongo, c'était une distraction publique massive. Donc, on veut imputer ces faits-là au cardinal. Voilà. On veut imputer ça aux opposants. Nous leur disons, écoutez, messieurs, vous avez tellement échoué. Peuple à Sanzibino, bah, comme une théorie à victimisation. Messieurs, vous nous tuez tous les jours dans ces pays. Vous voulez changer les constitutions. Maintenant, vous voulez distraire le peuple avec le faux coup d'État, alors que l'enjeu, c'est le changement de la constitution. L'enjeu, c'est la balkanisation du pays. On ne contrôle pas l'Est, on prend nos territoires, on n'attaque pas, on ne récupère rien. On nous crée une situation à Kinshasa, un faux coup d'État à Kinshasa, et on fait arrêter les gens autour de ça. Voilà pourquoi j'ai suspendu ma convalescence. Non, mais je dois quand même parler. Parce que c'est comme s'il n'y a plus de rien, il n'y a plus de Congolais consciencieux pour pouvoir aider notre peuple. Mais c'est Chilombo doit partir. Et ça, la vraie coup d'État, et ça, la faux coup d'État. Pour nous, Chilombo, c'est les problèmes. Et puis, je vais chiter. Monsieur Malenga, les responsables d'un mouvement Zayo a présenté Bissouana qui a Koufi. Monsieur Malenga est le président de l'IPC. Son parti politique est membre de l'Union Sacrée. Comment un membre de l'Union Sacrée veut faire le coup d'État contre l'Union Sacrée? S'il vous plaît, on nous prend pour des imbéciles, madame. C'est la vidéo, moi, je suis dit que je suis dit que je suis dit que autre. Comment peut-il déclarer, dire tout ce qu'il a dit, comme il a tenu comme propos, tout en étant de l'Union Sacrée? Est-ce que lui que Eric Leng était allié de Kabila? Mais Eric Leng n'a Kabila, ça, faut coup d'État. Hein? Faut coup d'État, ça existe, non? Parce que l'objectif, moi, bah, il doit poursuivre. C'est quoi l'objectif? Il faut analyser les faits dans les temps. Analysons. Vous verrez dans les temps, on va citer tel monsieur, tel est impliqué, tel. Parce que les billets politiques, c'est la victimisation. Régime à Félix, il a vomi par les peuples. Maintenant, il veut s'attirer la sympathie de notre peuple. Où est-ce que l'alité, l'otilique et l'alité, insécurité partout. Maintenant, non. Mais c'est Chilombo, sauf qu'il te balo, il va faire la coup d'État. Ah, bon, ça, on a 10 personnes, t'es quand même. 20 personnes, t'es. Kinshasa, une mégapole, 16 millions d'habitants, toutes les institutions. À Kinshasa, il y a au moins 8 camps militaires. Vous avez quand Tchatchi, quand Kibomango, vous avez quand Lufumbula, vous avez quand Kokolo, vous avez quand Luano, vous avez les camps parallèles, s'il vous plaît. Même quand Babylone, ici, quand Lolo. Entre donc, au moins 8 camps militaires vont renverser pouvoir dans une dizaine de personnes. Sans compter première zone de défense, sans compter les régions militaires, sans compter les unités spéciales, sans compter tout. Et puis, la présidence, il y a un chef d'état-major chargé de la présidence. Il y a un état-major dans la présidence. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles quand même. Bon, nous avons quand même le dossier Mbongo ici invité. Bon, nous avons quand même le dossier M23 sur AFC. Vous citez que tu es d'accord avec moi. Vous citez que Claude Lubaya, on est encore. Et là, on est à Tamoué la Bamboua, on est sur 6 pour dire que le régime est un régime à Milouvar. Mais pourquoi il va monter? Parce qu'Eric Kouba avait cité les gens. Maintenant, on crée une autre situation pour citer d'autres innocents. La pente est comme les pandits de Pentecôte, tel père, tel fils. Et vous voulez nous pousser à la résignation? Que ton fanda. J'ai suspendu ma convalescence. D'accord. J'ai repris le combat. Je vais reprendre avec la rue. Je vais mobiliser notre peuple pour dire que les problèmes, c'est M. Chilombo. Où l'État est Salema. Et Salema, c'est lui le problème. D'accord. On doit arrêter avec les montages de mauvais goût. Merci beaucoup, mon amour Nico Maingele, pour enregistrer l'émission sans l'outil qui, donc, allez-y comprendre la situation actuelle. Ma isalité, courant isalité, nzala et paï, mais kasi, balobi mansoana, et c'est un abisso pour changer constitution, pour être mboka, etamboula malamu, constitution de salina yango, yango des alliés qui bloqué, et ba institué, etamboula malamu, mingi, ou yamba ki, les kanisiwano, babi, et utaki na ngambu ya diaspora, mon amour Nico Maingele, le lengen. Voilà, merci beaucoup. J'ai mis en garde M. Fumutoto. Alors, Tambola d'abord partout, il est envoyé par les pouvoirs pour n'avoir pas sa idée qui est constituée à l'alliés à la belligérant. Ok, il faut qu'on change en haut. Mais en réalité, tu as l'Union Sacrée, tu as la majorité frauduleuse au pouvoir.
Baebi, derrière les projets de changement de condition, Baebi sait qu'il poursuivent comme but. On utilise les communicants, les robots communicants, pour voir que ça va faillir à la constitution. Mais en réalité, moi je vous donne l'information, une révélation, en réalité, processus il y a changement à constitution, et ça processus il y a balkanisation à Congo. Et un processus Congo et Katam. Personne ne vous a dit ça. Voilà pourquoi M. Chilombo doit soit démissionner, soit le peuple doit se prendre en charge. En vertu de l'article 5 et 64 de la Constitution, pour que tu libères, ben, si je suis un bon cas, tu libères liberté publique, tu libères indépendance nationale, notre souveraineté prise en otage par M. Chilombo. Regardez les faits de tout près. En pleine, d'abord, aucune révision constitutionnelle ne peut se faire pendant l'état des sièges, c'est l'article 218 de la Constitution, 219 si je ne m'abuse pas. Donc, pas de révision. Actuellement, révision est salimatée. Mais il y a un changement de la Constitution. Parce que révision est salimatée pendant que le pays est sous état des sièges, c'est interdit la Constitution. Maintenant, analysons les conséquences dramatiques sur la survie de l'État en rapport avec un éventuel changement de constitution, madame. Regardez, M. Chilombo, comment il veut nous prendre pour des imbéciles et nous mettre devant un fait accompli. Sauf qui pour lui changer de constitution, les lots. Il faut aller par référendum. Alors, on va faire un référendum. On va faire un référendum. Oui. On va faire un référendum. Il faut qu'il y ait un référendum. Mais le référendum, c'est une élection. Vous êtes d'accord avec moi? Les élections au Congo coûtent à peu près $1 milliard. Beaucoup de l'élection farfelue, l'élection y a Moïse et Skokeri. Vous mobilisez $1 milliard. Quand après on change la constitution, ou bien vous mobilisez Mongo pour vos cata Congo. Parce que tout analyste éclairé, tout esprit éclairé, à comment on entre les lignes, que ceux qui ont sali révision à constitution, en fait changement à constitution, les autres ont changé le public. Parce que pour changer la forme de l'État, Rolanda, on va voir comment la forme fédérale, on va voir comment on va l'entité fédérale avec un État fédéré, le gouvernement central, alors que tu as une puissance forte, tu as une armée. Tu as une armée puissante. Première conséquence, les provinces les plus enviées, les plus riches vont se détacher du gouvernement central. Puisque dans une autonomie armée, il y a la police, avec leur constitution, il y a la province, avec l'administration provinciale, la décentralisation. Ils vont aller en sécession. Parce que le gouvernement central est incapable de mater une petite rébellion. Ici, à côté, il y a une guerre civile, les Yaka et les Teke, non? Incapable. Mais quand les républicains sont comme Botama, Katang est comme une république, professeur oriental comme une république, vous maîtrisez vraiment. Pendant que vous maîtrisez les Teke, les Umbu, les Leaka, vous maîtrisez M23 soutenu par les Rwanda que nous dénonçons tous les jours. Deuxième enjeu à la balkanisation, sur le plan juridique et politique, sauti les lots, baké n'a changement à la constitution, donc c'est tu moment où la vérité à notre peuple, accord politique, ni la cité a signé dans Rwanda. Na Ouganda, na Burundi, na Tanzanie, na Angola, na ba pays mosusu na ba Tanzanie, na ba Sarkozy ou ba appuyer Rwanda to ki que France a prolongé accord militaire mais na Rwanda tina 2025 alors que M. Chilombo a outaki na France pour na osenga appui à Macron alors que Macron soutient Kagame, lui cherche l'appui chez l'allié de Kagame, donc il cherche l'appui chez Kagame. Donc il est les problèmes. Maintenant son qui toqué na changement de constitution na référendum. Ou bien que référendum et un vote. Les territoires occupés, maman Joël Kombe, bah vous votez très bien, non? Routchou va voter, Massis va voter référendum sur le changement de la constitution. Nirangon va voter. Automatiquement, là où les Rwandais occupent, Barouluba, tu es comme autonome, tu es comme indépendant, bah que la constitution et écolo, bah que le changement de la constitution est talibi sauté parce que tu votes à quitter. Par conséquent, l'entité bah, est commis bah, républicaine. Est-ce que tu nous vas mesurer en jeu le quoi? Soit il a trahi, soit il est naïf, soit il est inconscient, soit il est conscient de mauvaise foi. Parce que peuple occupé,
bon voter constitution à Sika et quoi engager ma territoire occupé et automatiquement c'est la balkanisation ba ko proclamer indépendance ba ko bimi sa constitution na bango ba ko ba biso écolo na biso ba benyango république des volcans par exemple ba benyango république ima touti ba benyango ce qui république nini wana ba lobi constitution na biso yango yo o ya bine votame pa na biso te to ebi yango te si ko mesechi no mauvais na bine na balkanisation mena pona ko étouffer un tel débat ko étouffer mouvement ya mobilisation. On sort cette aventure de Christian Malenga. Avec ça mort d'homme. Beaucoup de temps à famille naïe. Avec mort d'homme. Pour déplacer les débats. Pendant que la société civile, ma petite sœur Nani Senga, son prénom c'est Gloria. Oui. Gloria Senga. Ma petite sœur Rose Tabala va monter un mouvement patriotique, tout le monde passe, vous voyez bien, non? Pendant que vous avez besoin de mayonnaise, la mayonnaise a commencé à prendre, comme nous disons. Mais la mayonnaise est en train de prendre. La mayonnaise a pris. Bakani Gloria Senga, destination inconnue. Madame Rose Tabala, sous menace, recherchée, elle vient à clandestinité. La initiatrice, il y a tout le monde passe. La coordonnatrice, tout le monde passe, l'aide. L'une a sa clandestinité, l'autre est portée disparue. Maintenant, vous avez mis cette situation, si vous avez commenté, Nicolas Inga, nous avons arrêté, et faisons la cachette sans m'abeler. Non, s'il vous plaît, monsieur, vous avez atteint mon corps, vous avez atteint sur le plan physique. Je suis affaibli, j'ai souffert pendant 8 mois, j'ai souffert avec ma famille, mes enfants, ma femme, mes proches, mais vous atteindre l'esprit. Voilà pourquoi dans le bas, nous avons tout récupéré, nous avons tout récupéré. Mais nous avons dit que M. Chino a balkanisé, a fait un montage à un coup d'État, a impliqué les innocents, a exécuté les mots. D'accord. Ce qui va rouler ma bise, ce n'est pas rouler ma bise. Changement conscient, ça les maté, maman. Les jours qui viennent, nous allons participer à des mouvements de masse. Nous n'allons plus regarder. Retenez ça pour dire, hôtel. Et la Mouka, hôtel et membre de tel parti politique, hôtel et Congolais normal, hôtel et société civile, tout Congolais conscient, tout Congolais normal, qui estime que le pays est en danger et que M. Tshilombo est le responsable numéro 1, il y a chaos national avec Kabila qui l'a placé là où il est, afin d'acquérir tout ce qui arrive au Congo, ont comme responsable. Tout ce qui arrive à comme responsable, M. Tshilombo et M. Kabila, les autres sont des collabos. Bakadame sont des gens qui sont derrière les intérêts économico-financiers. Il suffit d'avoir une armée forte et bouter Kagame dehors. Il suffit d'avoir les alliés puissants militaires, la Chine ou la Russie, pour mettre un terme à l'Est. Mais puisque M. Tshilombo a des problèmes, il a comme allié les Occidentaux, Kagame a comme allié les Occidentaux, les problèmes à l'Est, c'est occidental, le Congo occidental, situation où il y a la solution, voilà pourquoi la solution est sur le plan interne, la solution est endogène, et il faut, qu'on mobilise notre peuple, ventir, il y a un coup d'État, ventir, il y a un changement de la constitution, ventir, il y a un restauration arbitraire, enlèvement, il faut essayer. Il y a l'élection à bureau définitif à l'Assemblée nationale. Par le président de la République lui-même, Azongi Saki Bango et Tebako Kabongo, Koyelaye, Topi Koumisaliste, Oye Sengeli, tout tenant compte, il y a représentativité. Parce que il y a un monde, il y a un gouvernement, parce qu'Assemblée nationale de Sengeli va installer un nouveau gouvernement, il y a Madame Judith Toulouka. Non, maman, quand on a nommé Madame Judith Toulouka, parce qu'elle a qui installation à non, on nomme avant, l'investiture vient après. On veut nommer même des ministres. Va nommer premier ministre, va nommer un ministre, va saler remise et reprise, va instituer, installer, on a parlé. Mais tant que. Non, la nomination précède toujours l'investiture. On devait nommer le premier ministre, on nomme les ministres. Vous avez déjà vu un pays en guerre avec deux premiers ministres qui sont payés par le gouvernement, même gouvernement. Deux premiers ministres, au Congo, c'est tout Niban et Tenafep, qui est le premier ministre du Congo. On dira quoi? Alors que ordonnance Madame Suluka, JDT, premier ministre JDT, et annuler ordonnance Yassama Lukonde. Comment un acte contraire qui vient annuler l'acte existant
L'acte existant subsiste face à l'acte contraire. On a battu en brèche toutes les théories à droit administratif et droit politique. Mais c'est ça, mais payé sur base de quoi? Madame Judété, Premier ministre, est payé sur base de quoi? Sa situation profite à qui profite les crimes? Ça profite à M. Tshilombo. C'est lui le vrai chef du gouvernement. C'est lui qui gère les institutions, toutes les institutions aujourd'hui. Exécutif, les entreprises publiques. Nyon, c'est Tshilombo. Voilà pourquoi on veut vous amener à une république sous régime présidentiel. Là où le chef de l'État est chef, il règne, il n'y a pas de Premier ministre. S'il vous plaît, la situation, il y a Madame Toulouka, situation à gouvernement, ça arrange M. Tshilombo, il n'a aucune autorité sur ces gens-là, parce que les laisser aller tel que Moutamtazo Ibanandengenae, Moutamtazo Pierre République, Tokomi République nationale des détournements et des corruptions, c'est ça la RDC, la République des détournements et des corruptions, et les papes, il y a rétro-commission, ça s'appelle M. Tshilombo. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois que vous n'avez pas de gouvernement, ça veut dire que le pays n'est pas gouverné. C'est clair. Et vous êtes là, un faux coup d'État, vous êtes là, un changement de constitution, pendant que la priorité c'est l'Est, la priorité c'est la bataille du Congo. Et M. Tshilombo vous amène dans des débats futiles, débats bidons, et vous y allez, pieds et mains liés. C'est comme si il veut nous prendre pour des amnésiques, pour des idiots. Alors que le problème réel, c'est lui-même et tous les accords qu'il a signés avec les ennemis du Congo. Donc ici, madame, ne comptez pas sur le gouvernement JDT Toulouka. Madame JDT ne fera rien. Parce que le problème, c'est monsieur Tshilombo. Et aucune révision constitutionnelle au Salema, aucun changement constitutionnel au Salema, dans le gouvernement, il y a JDT OU. Voilà pourquoi le peuple doit s'élever comme un seul homme. Si vous dites que c'est un coup d'État vrai, mais comment 10 personnes peuvent atteindre le palais de la nation? Ça veut dire que vous n'avez pas de sécurité. Si c'est un coup d'État vrai, je chute par là. Ça veut dire qu'on peut atteindre toute institution à tout moment. Le pays n'est plus gardé, le pays n'est plus sécurisé. Donc ici, ça ne peut être qu'un faux coup d'État. Merci beaucoup, Mwana Mboka Nikoma Ingeli.